sélectionneur de l'équipe nationale Kaba Diawara, était face à la presse ce lundi 25 avril à la Fédération guinéenne de football. Cette sortie médiatique a été une occasion pour Kaba Diawara de parler de ses projets pour la Guinée, mais aussi faire taire les rumeurs concernant son diplôme Foudé Bakary Dansoko. À peine choisi comme nouveau sélectionneur du Sélection national de Guinée, Kaba Diawara décline déjà son agenda pour les prochaines années à la tête de l'équipe nationale. Pour lui, son objectif, c'est de mettre en place une équipe jeune, capable de tout donner sur le terrain. Sans l'équipe, on peut avoir encore un nouvel essor et de rapatrier aussi tous les joueurs qui seraient capables de jouer pour la Guinée, que ce soit les locaux, que ce soit les expatriés ou que ce soit les binationaux. Moi, si on me dit qu'il y a un joueur qui joue sur Mars, je suis prêt à aller le voir, s'il est bon, s'il est guinéen et s'il peut apporter à l'équipe. Donc voilà, moi, mon projet, c'est vraiment de mettre la meilleure équipe sur le papier et si possible jeune, parce qu'on a vraiment envie d'aller loin dans l'avenir. Dans son intervention, Kaba Diawara est revenu sur la question de son diplôme acquis pour répondre aux critiques qui ont fait le débat au sein de l'opinion. Moi, j'ai passé mon diplôme en 2018, la saison 2017-2018, et j'étais en stage en fait, parce que quand on passe les diplômes, on est obligé d'avoir une équipe. Donc moi, j'étais au lycée de Meaux avec les moins de 17 ans. Donc j'ai coaché cette équipe-là. En championnat de France, on a perdu, on n'a pas été champion de France, mais en même temps, j'étais avec la sélection, donc j'étais team manager. Donc après, j'ai eu mon diplôme en 2018, je suis venu à la CAN en 2019, et après, petit à petit, j'ai été adjoint pour arriver, après, comme vous savez, avec DJ Six. Par ailleurs, il précise que seule la rigueur et le travail seront au centre de son combat durant son séjour à la tête de l'équipe nationale. Je sais que sans rigueur, on n'ira nulle part. C'est un peu ce qui nous a manqué sur certains matchs à la CAN. Donc voilà, c'est ça. Pour ça, vous inquiétez pas. S'il y a une qualité qu'on pourra me reconnaître, c'est ça. Moi, je transige pas avec tout ce qui est discipline, rigueur. J'avais un père militaire. Il nous a inculqué ça à la maison, donc moi je l'inculque à mes enfants et je me l'applique à moi-même. Si on dit que c'est 15 heures, c'est 15 heures. Et c'est pas 15 heures une ou deux. Donc ça, au moins pour ça, les joueurs qui viendront ou les joueurs qui doivent venir, il faut qu'ils sachent qu'au niveau des horaires, on sera à l'heure. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers Kaba Diawara pour rehausser le football guinéen. C'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Les infos continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter. Bonsoir.